projet qui entre dans le cadre des études sur les effets du changement climatique. On va essayer de répondre à un certain nombre de questions que se posent à la fois les scientifiques et la profession en viticulture. Toutes ces questions tournent autour de la pérennité de la production viticole avec le changement climatique. On avait démontré que à partir de modélisation et de prévision, de simulation du changement climatique, un des aspects les plus préoccupants pour la viticulture, c'était l'effet des hautes températures pendant la période de maturation, qui pouvait conduire à une dégradation de la qualité qui était assez prévisible pour la moitié du XXIe siècle. La conclusion principale de ces études, c'était que le principal défi était lié aux hautes températures, beaucoup plus que les problèmes éventuels de sécheresse. Donc ça, c'est un premier point très important. Le deuxième point important, c'est on a une connaissance globale de la maturation du raisin qui nous dit que les hautes températures sont effectivement néfastes pour un certain nombre de composés, par exemple souvent les polyphénols, mais aussi un aspect plus spécifique concernant les arômes. Les arômes qui se développent dans le raisin pendant la maturation et qui sont eux-mêmes transformés par les levures au cours de la fabrication du vin. Donc ces arômes ou précurseurs d'arômes peuvent être affectés par dégradés en qualité ou en quantité par des températures hautes, en tout cas dans la gamme des températures qui sont attendues pour le milieu du siècle ou la fin du siècle. Ce projet essaye de répondre à ça en faisant collaborer des écophysiologistes, donc c'est nous, et des chercheurs qui s'occupent d'œnologie, donc qui sont vraiment spécialistes pour tout ce qui concerne les analyses d'arômes, l'évolution au cours de la maturation, les relations entre le métabolisme secondaire et la production de précurseurs d'arômes, et la transformation de ces arômes au cours de l'élaboration du vin, au cours du vieillissement. Donc il y a aussi tout un aspect d'aptitude au vieillissement du vin, et en particulier du vin de Bordeaux. Dans les années récentes, on a fait pas mal d'expérimentations sur la réaction du métabolisme secondaire dans les baies de raisin aux hautes températures, mais dans des conditions très contrôlées, sur des petites plantes avec des petites grappes, en fait des modèles de vignes, donc dans des conditions très artificielles. Donc ce projet essaye de passer un cap de ce point de vue en s'attaquant à des analyses fines au vignoble. Donc dans des conditions de production viticole, disons assez standardisées, en tout cas pour le système bordelais. Et donc on travaille au vignoble et on a adopté un système qui nous a été inspiré par des chercheurs australiens. On installe des écrans qui jouent un rôle de mini-serre au vignoble, qui permettent d'échauffer spécifiquement la zone des grappes sans affecter beaucoup le reste du feuillage. Donc ça nous permet d'avoir des traitements comparatifs relativement facilement donc dans des conditions réelles, avec le même climat évidemment, le même sol, le même système de conduite. Donc tous les facteurs qui pourraient influencer la physiologie de la plante restent à peu près les mêmes, sauf que dans un traitement comparatif, on a des grappes qui ont été relativement échauffées par rapport à des grappes témoins qui ont subi les conditions habituelles. Donc ça nous permet de bien séparer les effets de la température sans qu'il y ait d'interaction parasite d'autres facteurs. D'autre part, ça permet d'avoir des échauffements qui sont relativement modérés, donc de l'ordre de 1 à 2 degrés en moyenne, un peu plus pendant la journée, un peu moins pendant la nuit. Mais c'est vraiment une technique qui permet d'avoir des échauffements qui sont compatibles avec les prévisions qu'on fait sur le changement climatique. Évidemment, on s'intéresse au microclimat, donc on doit obligatoirement contrôler
l'évolution d'un certain nombre de variables, en particulier les variables microclimatiques, que sont les températures, le rayonnement solaire. Et puis, dans les températures, on distingue bien les températures de l'air, les températures des grappes, des baies de raisin, la température du sol. Et puis, on fait des mesures de contrôle sur l'état hydrique de la plante, sur la quantité de surface foliaire, par exemple. Donc, un certain nombre de variables, soit du microclimat, soit de la physiologie de la plante, qui me permettent de contrôler à peu près tous les facteurs qui peuvent entrer en jeu. Le projet Itberry, qui est cofinancé à part à peu près égale entre la région Aquitaine et le CVB, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Et les partenaires principaux sont l'UMR-EGV ici et l'unité d'œnologie, donc tous les deux appartenant à l'ISVV, et avec aussi quelques partenaires extérieurs comme l'unité, l'UMR LEPS à Montpellier pour des aspects qui concernent la modélisation.